Tout d'abord, on va se connecter à l'automate de cette maquette de filtrage d'eau. Pour ceci, on ouvre Festo Software IPC Data Server. Dans l'onglet Config, on clique sur IPC TCP IP. Ensuite, on clique sur Config de IPC 1. Après, sur les lunettes, pour pouvoir ajouter notre automate qui est à l'adresse 192.168.0.31. On coche toutes les cases et on fait OK. Voilà, on a fini de configurer l'automate. On peut maintenant ouvrir InTouch. Dans File, on fait New et on crée un nouveau fichier. On renseigne le nom de ce projet et le nom du dossier. On double-clique sur le projet que l'on souhaite ouvrir. Premièrement, on va créer notre interface. Pour ceci, dans la section Windows, on fait un clic droit et on crée notre interface. Disposant de 7 vannes sur notre maquette, on va créer 7 vannes sur cette interface. Pour ceci, on double-clique sur le chapeau. Et dans la catégorie Switches, on prend le premier bouton. Et pour ajouter du texte, il suffit de cliquer sur l'icône T sur la barre d'outils qui est juste au-dessus de notre fenêtre interface. Pour paramétrer les vannes, on double-clique sur le bouton, on lui attribue un nom. Maintenant, il faut double-cliquer sur ce nom pour ouvrir une nouvelle fenêtre de paramétrage. On renseigne ici le type de la variable qui sera une variable discrète pouvant prendre uniquement deux valeurs, c'est-à-dire 1 ou 0. On clique sur Access Name, on fait Add. On remplit les champs à l'aide de la doc fournie. Maintenant, on aura besoin de la doc de la maquette avec inscrit l'adresse de chaque appareil et équipement connecté sur l'automate où l'on trouvera chaque van avec son adresse. Ensuite, dans item, on entre l'adresse de la première van. On répète cette manipulation pour chaque van. On aura aussi besoin d'un bouton marche arrêt pour écrire du code qui permettra une totale autonomie. On fait clic droit sur script et on ajoute un fichier script application. On écrit donc notre programme que l'on appelle à une fréquence de 1000. Disposant de plusieurs types de scripts, il est possible de configurer le bouton marche arrêt avec une touche du clavier à l'aide du script KScript.
Pour lancer ce programme sur l'automate, il suffit de cliquer sur le bouton Runtime situé au-dessus à droite. Bon, voici un exemple d'une IHM interface homme-machine spécifique, mieux travaillée, une meilleure interface homme-machine grâce à la fonction Symbol Factory, avec laquelle on peut créer ce genre d'interface.